ce soir. Yes. Isis, bonsoir. Bonsoir. Good afternoon. Thank you. How are you? I'm fine. Okay. We are together. You're welcome, sir. Thank you. Why are you speaking in English? She speaks French, right? I'm speaking English too. She's bilingual. I'm always bilingual. So you are bilingually beautiful too. Thank you very much. Thank you. Voilà. Et puis, la question pour répondre avant d'entrer ici. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? On est là. Il y a la tricherie dans ce studio. Non. La tricherie, comment? C'est une grande émission. Les gens connaissent bien l'émission. Qu'est-ce que vous dites? On ne la regarde pas, je la connais, mais avant de partir. C'est le père qu'on voit ça. Si je croyais que c'est lui qui t'allait à dire. Non. Parce que lui, quand c'est les femmes, c'est comment? Quand c'est les femmes, ils souffrent. Quand c'est les garçons, ils bloquent. Non, je connais la réponse. Joe? J'ai la première question. C'est bien d'avoir mis les lunettes. Mais hein. Pourquoi? Parce que tu as les yeux. Pardon. Bon, quand j'ai la première question en général, qu'est-ce que je fais? Je savoure. Comme ça. On ne va pas se bondir dans la tête. Je pense que tu n'auras plus la première question. Non, je pense que. Alors, moi, je connais tes chansons incroyables. Je connais surtout Bondi, magnifique. Okay. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on réussit à être une chanteuse brillante avec un caractère aussi fort. Et je me rends compte qu'il faut peut-être chercher dans ton enfance une enfance difficile, ouais. Une histoire qui est plutôt riche en enseignements. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes donc de ces moments, de cette enfance avec ta maman et des moments difficiles? Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné? Comme tu l'as dit, je garde la modestie, la persévérance et le travail. Et encore, nous on aime les détails. Nous on n'aime pas les choses. Nous on aime les anecdotes, on aime des choses un peu plus. Qui nous parlent un peu plus. Ça, c'est des mots, c'est vrai que ça parle, mais c'est trop large. C'est trop large, voilà. C'est trop large. Donc, quelle anecdote. Par exemple, quel est le moment difficile qui a vraiment marqué cette enfance? Voilà, par exemple. Qui a marqué mon enfance? Je sors d'une famille où j'ai été élevée par mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Ma mère n'était pas là. Et après, d'une mère aussi monoparentale. Moi, je n'ai pas connu mon père. Donc après, quand ma grand-mère n'avait plus la force, je suis venue en ville avec ma mère qui se battait comme elle pouvait. Ouais. Étant femme de ménage, elle n'a pas vraiment poussé les études. Et je crois qu'elle a regroupé tous ses efforts sur moi quand même au petit niveau qu'elle pouvait. Et voilà ce que ça a pu donner aujourd'hui. Non, mais c'est une histoire simple. C'est très joli, après, ça. C'est une anecdote. Un truc que tu as vécu avec ta mère qui ne te quitte pas. Qui ne quitte pas. Est-ce que vous arrivez dont tu te souviens et qui te rend fier les fins du mois? Non, il y a des jours qu'on mangeait une fois par jour, mais on mangeait quand même. Donc, je ne veux pas rendre la chose trop mélancolique parce qu'après la vie, il y a des jours où on mangeait quand même une fois par jour, mais quand même, on arrivait à avoir un truc à mettre dans la bouche. Elle se battait pour ça, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle est venue t'accuser pour un truc ou bien vouloir te déposséder de quelque chose. Et maman, tu n'aimes pas, alors fais comment? Non, maman, il n'y a pas. Sauf si elle doit inventer, il n'y a pas de jeu là. Vraiment. Tu n'es pas trop loin, c'est pas ton histoire. Sauf si je dois inventer. C'est bien son histoire, elle. Tes amis vont nous écrire après. Tant bien que mal, tu t'es débrouillée à l'école. Et pourquoi donc faire le choix de la musique? On se demande. Je n'ai pas choisi, je dis souvent ça après. La musique m'a choisi. Mon grand-père, je viens d'une famille musicienne, de chanteurs aussi. Donc après, j'ai bien voulu ne pas faire. Avant, je faisais juste les chœurs dans un studio, jusqu'à ce que je croise quelqu'un qui me dise que mais tu sais que tu as le potentiel de passer aussi au-devant de la scène. Bon, après, je me dis d'accord, c'est comme ça que j'ai essayé. Et après, je suis calée à l'intérieur. Alors, comme pour les études, tu n'as pas tout réussi d'un coup. C'est comme ça. La musique, pareil, tu as travaillé dur, proposé des titres, des singles, et ça n'a pas toujours été satisfaisant pour toi, en tout cas. Où as-tu pris la force de continuer malgré tout? J'y croyais. En fait, à la base, moi, je suis quelqu'un de très tenace. J'y crois. Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir et j'essaie de pousser un peu. Comme on dit, je force un peu le destin. Donc, j'y croyais. C'était pas facile. Moi, j'ai sorti des singles, un album ici au Cameroun, même avant de partir, qui n'a vraiment pas marché comme vous voyez, faute de moyens. J'avais pas assez de moyens. Je travaillais, j'étais à ISMA. En soirée, je travaillais dans les snacks pour payer les études. Et en journée, j'étais à l'école pendant quelques heures creuses. J'étais en répétition de musique avec le pharaon Amondra.
je faisais comme je pouvais. C'était mon niveau, j'ai poussé ici, mais après... Tu t'es battu, hein, ça c'est bien. Félicitations. Et par le fait du hasard, tu es bloqué en Côte d'Ivoire. Tu allais pour le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, mais c'est aussi là que s'ouvre une nouvelle et riche porte pour toi. Qu'est-ce que ce jeune parcours t'inspire aujourd'hui? Parce que si on entend parler de toi aujourd'hui, c'est depuis quelques... Tant que je suis arrivée à Abidjan, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, c'est parti. Ouais. C'est, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a même déjà bloqué à Abidjan, dis-nous? C'est le Corona. C'est le Covid. Là, c'est le Covid qui m'a bloqué. C'est le Covid qui m'a bloqué. Mais le parcours d'Abidjan m'inspire beaucoup de reconnaissance d'abord. Voilà. Et encore la persévérance, parce que c'était pas facile. Je viens pas là-bas. Comment tu as pu t'intégrer comment? C'était difficile. C'est pourquoi je dis que c'est une partie quand même assez difficile que j'aime bien parler. C'est quoi les choses que tu peux dire à des personnes qui vont à Abidjan, ils veulent s'installer, par exemple. Il y a beaucoup de gens. Tu as des petits trucs? Oui, on sait déjà que c'est pas facile. On a besoin. Hein? Abidjan est cher, Abidjan est dur, Abidjan c'est pas comme le Cameroun qui a peut-être des petits emplois ou quelqu'un, oui, c'est une réalité. Abidjan, explique-nous, parce que nous on est perdus. Donc tu dis qu'ici, il y a des petits jobs qu'on peut faire comme ça et s'en sortir. Abidjan c'est comment? Abidjan, si tu n'as pas quelqu'un qui te tient la main pour t'amener quelque part, te présenter, c'est un peu très difficile. Même si tu as appris le métier là, il faut quelqu'un qui va t'aider, surtout quand tu es étranger. C'est pas qu'ils sont pas xénophobes, ils acceptent. Non, on sait qu'ils sont mais pas. Mais je dis juste que c'est très difficile même d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que peut-être c'est parce que tu es camerounais ce que tu dis, peut-être qu'un c'est vrai aussi, peut-être dira, voilà, un Ivoirien dira la même chose s'il vient ici à Douala peut-être. Oui. Mais vraiment tout le monde le sait, Abidjan est deux fois plus cher que Douala, c'est pas tout est cher. C'est pas comme si là-bas, à Douala, tu peux, avec ta petite maison de 35 000, 20 000, il y en a qu'on trouve. Mais là-bas, tu ne vas pas trouver. C'est très difficile, sauf si tu vas vraiment dans un quartier précaire, de chez précaire. Et ça, je sais de quoi je parle, que je suis en train de dire. Donc, c'est pas comme si la vie, pour un début, il faut quelqu'un qui va quand même t'épauler. Il faut d'abord un toit pour dormir même. Commence par là. Et quand tu n'as pas ça, je l'avais parce que j'ai fait une annonce sur Facebook que je cherchais un toit pour dormir. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'une, une jeune dame, Rosiane Adou, que je salue, qui m'a recueilli dans sa chambre. On sent un peu beaucoup d'émotions. Quand on part de... Ouais, elle est vraiment émue. C'est normal. On va te laisser reprendre tes esprits. Ce n'est pas facile. Mais oui, c'est ce que... Les gens doivent savoir, ce n'est pas facile. Il faut dire aux gens qui nous regardent, parce que les gens, ils regardent toujours la fin. Quoi, hein. Ils ne savent pas par quoi tu es passé. Ils voient juste où c'est beau, elle a des belles lunettes, elle a un beau chapeau, voilà, mais ils ne savent pas que c'est pas facile du tout. Ouais. Je pense que des parcours comme ça, on en a aussi ici. Hein. Ce n'est pas pour dire que c'est différent là-bas. Ouais. Mais il faut dire que depuis toute petite, je pense qu'à force de voir sa mère se battre, ça peut lui avoir donné beaucoup de force. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut réussir ça. Hein. Mm-hmm. Exactement. Tu comprends? Ouais. Il faut pas que ça te fasse du mal. J'espère que ce sont des larmes de joie. Hein. Oui, j'espère aussi. Wow. Mais je ne veux pas que c'est ici au Cameroun que j'ai le plus revécu cette expérience-là. Nous tous là. Tu vas avoir des larmes de joie à la réalisation si vous nous regardez un peu. Ouais. Voilà. Chacun de nous a une histoire. Hein. C'est juste qu'on est devenu très fort. Ce que je veux comprendre aussi, c'est comment on part de vouloir une maison et recevoir de l'aide. Non, ça entre juste dans on est dans le même mélange. Comment on part de là à se hisser quand même haut dans le showbiz ivoirien, parce que quand même tu as trouvé ta place. Ouais. Là, tu l'as dit, tu as trouvé ta voix. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait de spécial que les autres n'ont pas. Comme je dis souvent, on a rien de plus que les autres. C'est juste qu'après, la chance sourit des fois au moment où tu l'attends le moins. Donc, quand je suis venue, je venais par quelqu'un qui m'a invité au festival. Et quand on a ouvert les frontières, pendant le Covid, la personne est partie, m'a laissé à Abidjan, je ne connaissais personne. Donc j'ai quitté l'appartement, j'avais encore mes économies, mais je ne pouvais pas tout payer, l'appartement meublé, ça pouvait finir. Je ne savais pas quand on devait ouvrir les frontières. Donc on m'héberge chez ma copine. Puis j'avais payé deux chansons dans un studio d'enregistrement, Trackenson, qui est ma maison de production actuellement. Avant que le Covid ne vienne, tout ça ne commence même, j'avais payé déjà mes chansons. Donc j'allais au studio quotidiennement, tout le temps. Même comme j'étais loin, je faisais l'effort. Ah, merci beaucoup. Merci. Wow.
C'est pas évident, hein. Et puis, les témoignages comme ça sont très importants pour les jeunes et tout ça, parce que c'est trop facile. Ils ont l'impression que la vie est trop facile. Trop facile, quoi, Ah non, elle n'est pas facile. Il faut se battre, hein. Il faut accepter vraiment de passer par des moments difficiles. Qui aurait su qu'aujourd'hui elle serait là avec ses lunettes, son chapeau. Je pense que tu t'es pas assez ouverte depuis, n'est-ce pas, Isis? Oui, quand même. Tu t'es pas trop ouverte, tu n'as pas fait de témoignage. Ouais. Aujourd'hui, elle fait un beau témoignage. Parce que vous savez, ici chez nous, nous sommes free. Nous aimons les petits détails. Oui, et c'est comme ça. Nous, on aime et les moindres détails, c'est parce que nous voulons tout faire cela pour galvaniser certains qui regardent. Et il y a des miracles. D'autres sont toujours passés par des situations difficiles. Très difficiles. Il y a eu des moments très difficiles, mais qui ont dit je ne recule pas. C'est devant, la vie, c'est devant. Tout ça. La vie qu'on mène est un message aussi. Hein. Voilà. Mm-hmm. Les gens pensent que c'est facile. Quitter un pays, aller dans un autre pays pour quelque temps, subitement, il y a Covid, on te bloque. Ouais. Donga est de l'autre, est de ce côté. Donga est d'abord c'est pas la famille ici. D'abord. Déjà, maintenant, toi, tu commences à avoir les nouveaux jardins. Tu vas accepter, tu ne vas pas accepter. Et ça commence. Ça commence comme ça. Donga est là, il t'appelle. Comment tu me manques. Maintenant, c'est les appels vidéo. Seigneur, tu es fort, ma main. Tu vois là, tu te débrouilles quand tu es revenu voir ton gars. Ça va, il n'y a pas de gars. Tu as mis là-bas, quelqu'un n'a pas pris ton cœur. Et ton gars a toujours eu sa place. C'est que c'est bien, mais si ça n'a pas été ça, nous-mêmes, on n'est pas mal comme homme. Calagor, tu as une question ou pas? Oui, j'ai une petite question simple. Okay. Là, on a bien écrit et précisé ici que installé en Côte d'Ivoire, on le remarque très bien par tes titres que tu proposes. Tu es carrément une Ivoirienne aujourd'hui. C'est un choix ou bien tu n'avais pas le choix? C'est une stratégie de communication. Ouais. Comme je disais, je suis signée dans une maison de production ivoirienne. Voilà. Je suis par un Ivoirien. Donc quand je suis arrivée, il fallait m'intégrer. Il fallait d'abord toucher la cible qui est là pour qu'on se pose des questions. Mais c'est qui la nouvelle artiste? Et puis on dit, ah, mais c'est une Camerounaise. Mais c'est une stratégie purement de la maison de production. Donc, et parfois, la stratégie ne marche pas. Il faut aussi accompagner du talent aussi. Hein. Exactement. Voilà, donc, Casse-bout. Alors, il y a 4 mois, tu as proposé un titre avec le groupe Bénédiction. Oui. Ma saison. Exactement. Ça marche pas mal. Ouais, mais tu ne nous laisses même pas digérer. Et puis, tu bombardes des titres. Il y a 4 jours encore, tu as proposé. Bon, on peut d'abord regarder un peu ma saison, s'il vous plaît. Hein, ce serait pour que les gens essaient de voir. Pour nos téléspectateurs voient que ce que nous disons là, c'est la vérité. Oui, mais pour ceux qui croyaient que c'était une Ivoirienne, ben, sachez qu'elle est Camerounaise. Elle est aujourd'hui Camerouno-Ivoirienne. Ça, c'est ma saison qui marche très bien en ce moment. Très zouglou, beaucoup. Beaucoup zouglou. Beaucoup zouglou. J'ai une petite question là. Oui. Elle est même peut-être un peu personnelle, mais quand on a une belle plastique, quand on te voit, tu dégages une certaine confiance, tu prends soin de toi. Comment on fait en sorte que des personnes dépassent ce physique pour aller creuser l'artiste et la personne? Je t'assure que moi-même, ça me dépasse. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'essaye d'expliquer devant les médias, tu essayes d'être le plus. Même si on fait des posts, que vraiment, aimez-moi pour ce que je suis, ne regardez pas mon corps, vraiment, je ne sais pas. Il y a trop de gens qui viennent. Ça va ensemble, ça reste ensemble. Voilà. Pour être une vedette dans n'importe quel domaine, si en plus tu physiquement ça passe, eh ben, c'est un bonus, c'est tout. C'est un bonus. On va pas cracher dessus. Non, mais parfois ça reste ensemble. Et puis, depuis 4 jours, elle propose verser. Est-ce que c'est depuis 4 jours là? Oui, exactement. Depuis 4 jours. Il y a quelques personnes qui ont réagi. Océane Valdez, ma star, s'il te plaît, fais un feat avec Loco. Oui, obligé. On prend en compte. J'espère qu'il regarde l'émission, Frangin. Voilà. J'espère que tu regardes. Non, et puis, il y a Martin Acero. Hey, qui lui a dû prendre le nom de l'acteur? C'est comment? On est là. Félicitations, Isis King. Tu es vraiment très belle. Tu représentes le continent camerounais en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, là, nous sommes les frères. C'est juste le football, mais quand le Cameroun parle du football, les Ivoiriens, là, asseyez-vous. Oui, mais ça, ils prennent les leçons. Voilà. Zagba le requin, c'est comment? On est là. C'est comment la vie en Côte d'Ivoire? Car j'y compte m'installer, tu as vu, non? Tu as vu que le témoignage était important. Bienvenue. Bienvenue. Yimko Emile Zola, c'est comment? On est là. Je voulais savoir comment s'est passée sa rencontre avec Fanico du Bénin.
Fanico était venu pour Africa, le truc de musique là, Star Academy. Non, non. The Voice Africa. Et comme le label, en fait, on a un grand studio d'enregistrement aux normes internationales. Presque la plupart des artistes viennent au studio. C'est comme ça que Fanico, quand il est venu, on l'a abordé, qu'on a une chanson qu'on a fait ensemble. Parce qu'il venait déjà, on essayait de causer, mais c'était rien depuis qu'on causait tout le temps qu'on se voyait au studio. Mais là, il est venu, on voulait faire un truc club. Donc c'est comme ça que Yves Roland Djedje, à l'époque, c'était lui mon manager, il a initié le projet. Et Fanico a dit oui, le soir il est venu au studio, on a posé la chanson. Oh, c'est bien. Aussi simple. Vous vous fréquentiez. Ah, non, vraiment, on te parlait juste vite fait. Bonjour, bonsoir. Oui, il est venu au studio, on se retrouvait au studio. Après, ça n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ah ben? Tu voulais qu'il y ait quoi, non, Kalagan? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Parce que. Allez, tout de suite, non, on va retrouver le thème, de ce soir. Non, hic le ok d'abord, avant le thème. Okay. Mais je tiens à préciser, j'espère que Isis, pendant ce temps, va réfléchir. Devrait-on révéler à son enfant qu'il est adopté? C'est le thème de ce soir. Donc, tu vas donner ton avis tout à l'heure. Le temps que Kalagan nous fasse un hic ok. Quand c'est hic, c'est comme ça. Et quand c'est ok, c'est comme ça. Voilà.